Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maître de cérémonie, merci de me donner l'opportunité de vous adresser un bref mot de la fin de cette première partie extrêmement intéressante, extrêmement riche de cet événement majeur. J'aimerais d'abord, au nom des autorités de la République et canton de Genève, vous dire la fierté qui est la nôtre de vous accueillir dans cette cité qui est si liée à l'idée même, à la genèse de la finance. Notre fierté, et on l'avait conçu comme ça de nombreux mois en arrière, de se dire que pour un jour et même pour une semaine, Genève serait l'épicentre des réflexions sur la finance globale. Et puis vous avez vu, l'actualité a du talent. Elle s'est invitée et il y avait deux raisons cette semaine de braquer les projecteurs sur Genève. La finance, je vais y revenir dans un instant, mais aussi les prix Nobel, j'y reviendrai également. C'est notre capacité à Genève de construire des ponts, mais également d'aller chercher les planètes lointaines, de regarder notre propre planète avec un certain succès. Alors j'aimerais d'emblée dire que ce matin, ces échanges que j'ai écoutés attentivement nous permettent de constater que malgré le contexte particulier, l'échelle des problèmes qui est devenue globale, le ton qui s'est durci, le rythme, ça a été dit à de multiples reprises, qui s'est accéléré, et bien malgré cela, j'ai le sentiment personnel, que nous avons une grammaire commune, nous avons un vocabulaire commun, nous avons peut-être même un agenda commun, et nous pouvons constater aujourd'hui, à l'issue de cette matinée, que toute une série d'éléments convergent. C'est un premier point extrêmement positif qui permet de confirmer le succès de cette manifestation. Et de vous dire, et c'est le sentiment des autorités publiques de Genève, très clairement, que la finance sera durable ou ne sera plus. Le modèle est en train de muter, et nous allons, je vais brièvement l'évoquer, vous y aider, avec trois vocations pour Genève. La première, c'est d'être un révélateur. La deuxième, c'est d'être un régulateur. Et la troisième, c'est d'être un accélérateur. Genève est un révélateur parce que, vous l'avez entendu ce matin, grâce aux organisations internationales, dans un contexte où les échanges sont très nombreux, le nombre de rencontres qui se tient annuellement dans notre cité est majeur, eh bien nous prenons conscience, peut-être un peu plus rapidement que d'autres, des enjeux environnementaux, de la responsabilité sociale, de ces éléments qui, aujourd'hui, structurent le débat politique et le débat économique. Les comportements vertueux envers la planète et envers les populations font partie intégrante de nos économies. C'est un fait qui est posé ici, dans notre cité. Et j'illustrerai cela par un exemple. Cette semaine se tient également à Genève la traditionnelle Trading Week, qui rassemble toute une série d'acteurs dans le domaine du négoce. Le négoce est extrêmement important pour notre communauté, pour notre économie. Dans le négoce, vous avez évidemment le trade finance. Et bien, dans le trade finance, aujourd'hui, il y a toute une série de projets extrêmement innovants pour assurer ce qu'on évoquait tout à l'heure dans une plateforme, la notion de traçabilité des matières, la capacité là aussi de rendre durable des investissements dans ce secteur si particulier. Genève révélateur, mais Genève régulateur. Régulateur dans le bon sens du terme. Et nous croyons fermement, comme l'a dit Patrick Audier tout à l'heure, que nous pouvons convaincre avant de contraindre. Votre présence ici en est un témoignage, une belle preuve, la capacité de décider ensemble de ce qui va faire les standards, grâce au FC4S que nous avons effectivement attiré et que nous sommes très heureux et fiers d'accueillir à Genève depuis l'année passée, avec ses 30 places financières, ses quelques 90% de flux financiers représentés par ces places, de clarifier toute une série de notions. La notion d'investissement durable, on l'a évoqué ce matin, qui est prometteuse, mais de clarifier aussi les standards en matière de mesures d'impact, une capacité là aussi avec les organismes privés et publics présents sur la place de mettre sur pied cette régulation et de rompre avec une approche très compétitive. On voudrait passer de la compétition à de la coopétition, la capacité de créer ensemble en amont les standards. Et puis troisième et dernier élément, Genève est révélateur, Genève est régulateur, Genève est aussi l'accélérateur. Et je rebondis ici sur l'actualité de la semaine prochaine. Genève, c'est le premier board de Libra, c'est totalement innovant, c'est un risque peut-être de réputation, un risque financier, mais un risque que d'autres prendront à notre place si nous ne créons pas les conditions pour que le débat puisse se faire. Genève, c'est un accélérateur au niveau de la digitalisation. Genève, c'est un accélérateur aussi, et c'est peut-être un élément sur lequel il faudra insister, qu'on a peu évoqué ce matin, un accélérateur en matière de formation. Sur la finance durable, la formation est un élément clé d'investissement aussi, de vecteur et d'accélération. Je veux souligner ici un élément récent d'actualité, là aussi c'est cette semaine, le prix d'innovation au niveau mondial qui a été remis à la Haute École de Gestion pour son Certificate of Advanced Studies en finance durable. Là aussi, nous faisons la démonstration que nous sommes prêts. Alors en résumé, mesdames, messieurs, ce que je nous souhaite au terme de cette matinée,
c'est que les convergences se concrétisent, que l'esprit de laboratoire qui fait Genève se concrétise aussi, et je rebondis sur ce que disait Yves Mirabeau, oui, vous avez raison, notamment en matière de fiscalité, nous devons maintenant abandonner un certain nombre de vieux paradigmes qui nous freinent, qui nous retiennent. C'est ici aussi que l'on pourrait concevoir une fiscalité de demain pour soutenir la finance durable. Passer du PPP, Public-Private Partnership, au PPP au carré, il faut rajouter People, il faut rajouter Peace, et il faut rajouter Planet. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je nous souhaite, un PPP au carré, ici, dans ce contexte de Davos de la finance durable que nous souhaitions dès le départ, pour renforcer ce centre mondial de financement des ODD, parce que c'est notre vocation, ce serait indigne de ne pas s'en souvenir, c'est notre vocation, ici à Genève, de faire en sorte que l'on puisse passer à l'action. C'est ce que je nous souhaite, et je vous souhaite en attendant, passer à l'appétit, au repas. Merci de votre attention.